J'étais un puissant général autrefois, trompé par l'illusion de la vie. Mais je n'ai pas réussi à arrêter les monstres, et j'ai été déshonoré. Je suis venu ici pour méditer sur ma nature profonde, et sur la leur. N'ayant besoin ni d'armes ni d'armure, j'ai tout jeté dans une grotte des environs. Le mystère et le savoir naissent à la même source. L'obscurité. L'obscurité, mère de toute chose, s'engendre elle-même. Libéré de tout désir, chacun peut apprendre le mystère caché. Thank you.
raconte qu'avant que le grand sage Lao Tzu quitte son poste à la bibliothèque impériale, Confucius l'y rencontra et qu'ils parlèrent pendant de nombreux jours. Confucius aurait appris plus auprès de lui qu'avec tous les livres de toute la bibliothèque. Quand Lao Tzu partit, il se dirigea vers l'ouest, monté sur son buffle d'eau. Devant une large porte, très loin à l'ouest, un garde l'arrêta. « Avant que tu poursuives ta route, grand maître, l'implora-t-il, couche donc ton enseignement par écrit. Si tu ne le fais pas, il sera certainement oublié et perdu. Et c'est grâce à cela que nous avons le Tao Te Ching. » Puis, Lao Tzu partit vers l'ouest. Il s'enfonça dans le désert et disparut à la vue des mortels. Le Tao, la voix, est ce que nous a appris le maître Lao. Être en harmonie avec la voix, c'est vaincre. Pour cela, il faut être calme, en paix. Seulement alors, on peut agir. Le Tao, la voix, est ce que nous a appris le maître Lao. Être en harmonie avec la voix, c'est vaincre. Pour cela, il faut être calme, en paix. Seulement alors, on peut agir. Le Tao, la voix, est ce que nous a appris le... Certains pleurent et jurent contre ces monstres, mais eux aussi font partie de la voie. Le sage accepte, étudie et combat sans peur ni désir. La vie est plus difficile en dehors de la ville. Il n'y a pas de remparts ni de soldats pour nous protéger. Mais dehors, nous sommes plus forts. En vérité, je ne crois pas que les monstres vaincront. Mais pour survivre, nous devons nous perfectionner et embrasser la voix. Car la voix est immortelle et paisible. Elle ne peut être vaincue. De mon enfance, je me souviens de grands festivals avec des fleurs, des costumes aux couleurs vives, des lanternes et des feux d'artifice. Et parfois, je montais sur la montagne pour m'asseoir et jouer du pipeau. Qui peut rester calme avant l'heure de l'action, demande le grand sage. L'équilibre est nécessaire en toute chose. Mais peut-être as-tu déjà appris cette leçon. Cette époque connaît le chaos pour que naissent des héros. Cette époque connaît le chaos pour que... Oh, excellent, viens! Nous avons de belles choses à vendre aujourd'hui. Que la chance soit avec toi! Jette un coup d'œil!
Au revoir. Oh.
Un mage taoïste très puissant vivait seul dans la vallée du Jingé, non loin de Kiyun. Il venait nous voir pour s'informer et avoir du riz à chaque nouvelle lune. Mais la lune est arrivée et nous ne l'avons pas vue. Le mage était pacifiste. Il détestait la violence et la haine. Malgré sa vie simple, on disait qu'il possédait de grands trésors. Le mage était pacifiste. Il détestait la violence et la haine. Malgré sa vie simple, on disait qu'il possédait de grands trésors. Thank you.
Let's go.
Merci, noble guerrier. Que le destin vous apporte une vie longue, la richesse et le bonheur.
Thank you.
Vous êtes sur le mont Quillou, mais comment êtes-vous arrivé ici? L'endroit n'est pas sûr. D'étranges bêtes rôdent. Mes sœurs et moi vivons seules dans les marécages de Jingé. Le mont Quillou tient son nom des nuages blancs qui recouvrent son sommet. Il y a beaucoup de légendes sur ce mystérieux pic. Ce chemin mène au sommet de la montagne.
Yeah.